Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Pour tous ceux pour qui ce temps de confinement a été source de souffrance, d'isolement, de séparation des êtres aimés, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui ont été au service des autres, en première ligne, les soignants, les routiers, les caissiers, les policiers, aide-les à poursuivre leur mission au service du bien commun. Seigneur, nous te prions. Pour les enseignants et toute l'équipe pédagogique du CAOUZOU, qui ont toujours, au cours de ces longues semaines, étaient à l'écoute des élèves et des familles, les soutenant et les accompagnant, Seigneur, nous te prions.